En fait, la première fois que je l'ai rencontrée, j'étais Miss France, je pense. Je venais d'arriver, j'étais toujours toute jeune Miss France. Et je ne sais plus, il avait une émission de radio, je ne sais plus quelle radio. Et il m'avait reçue en tant qu'invitée. Et à l'époque, j'avais un fiancé à Tahiti. Et même pour appeler mon fiancé, il m'avait offert un forfait, je crois, à l'époque. Il m'avait dit, oh là là, mais si vous êtes amoureuse, votre amoureux, il est à l'autre bout du monde, je vous offre un forfait téléphonique, genre open bar. Très généreux, toujours. C'était ma première rencontre. Mais il joue contre son propre corps. Oui, c'est ça. Ou à l'époque, il n'y avait pas de crush encore. C'est ça, non, pas du tout, pas du tout. C'est une vieille histoire. Arthur, on l'a reçu dans cette émission et à la simple évocation de votre nom, Maréva Galanteur, il se détend. Ah, il dit de vous que vous lui avez appris à relativiser les choses, notamment toutes ces histoires de télé, d'audience. Il a appris à prendre un peu de distance. Oui, moi ça me dépasse honnêtement. Et puis voilà, on n'a pas la même carrière, on n'a pas les mêmes. Enfin, on est très différents. On est à l'opposé l'un et l'autre. Et lui, son métier, c'est sa passion et c'est son métier depuis toujours.